Devenu au fil des années l'un des artistes les plus emblématiques de l'Hexagone, Johnny Hallyday a connu une carrière exceptionnelle, mais également une vie agitée, notamment en raison de ses nombreux excès. Mort le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans, le mari de Laetitia Hallyday était connu pour être un grand consommateur d'alcool et de cigarettes de son vivant. À ce sujet, l'un de ses anciens amis a fait quelques révélations dans une interview accordée au magazine Paris Match jeudi 5 août 2021. Considéré comme le roi des paparazzi, Daniel Angeli fut l'un des plus proches amis de Johnny Hallyday durant de nombreuses années. Je l'ai rencontré à Gstaad, j'avais 53 ans et je ne l'ai plus quitté pendant près de 20 ans. Si est-il l'histoire d'une amitié sincère, on partageait tout, a-t-il expliqué en guise d'introduction. Par la suite, Daniel Angeli a dévoilé que le père adoptif de Jade et Joey Hallyday ne faisait pas semblant niveau picole. Il pouvait être très difficile quand il avait bu, souligne son ancien ami, avec qui il partageait le même goût pour les cigarettes. On fumait des gitanes, une cartouche par jour à nous deux, révèle Daniel Angeli. Daniel Angeli, c'était aussi un grand timide au cours de ce même entretien, le roi des paparazzi a affirmé avoir eu une vie extraordinaire aux côtés de Johnny Hallyday. On sautait d'un avion à un autre, on mangeait aux plus grandes tables de France. La bonne bouffe était importante pour lui, précise Daniel Angeli, qui assure par ailleurs ne jamais avoir vu le chanteur frimer. Il disait toujours, il faut que tu manges le baba au rhum de Laetitia, si est-il le meilleur. Sa simplicité et son charisme me subjuguaient. Il parlait aux gens dans la rue ou au resto. Ils hallucinaient, a expliqué celui qui suivait Johnny Hallyday partout lors de ses tournées, de la promotion de ses albums, et même lors de ses vacances. C'était aussi un grand timide, a toutefois tenu à souligner son ancien ami.